Bon. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler sur le devant. Bonjour aux autres, je me présente, je suis Valérie Defour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium thérapeute aux Avenières et je suis là depuis 2011, à peu près. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que dans toutes mes prestations que je peux proposer, je propose aussi les guides spirituels. Les guides spirituels, on va en parler pendant la première partie. La deuxième partie, je vais essayer de gérer pour arriver à répondre à tout le monde. Je vous ferai passer des feuilles avec un crayon. Ceux qui veulent poser une question au guide, ce sera le moment de le faire. J'ai déjà deux questions que j'avais reçues et qui sont du coup ici. Alors, tout le monde est prêt? Tout le monde est bien installé? Si jamais vous entendez pas, vous comprenez pas, vous avez même le droit de m'interrompre parce que je suis une gentille. Donc vous avez le droit de m'interrompre. Cette belle blondinette, c'est moi. Voilà, c'est là où pratiquement tout a commencé pour moi. Et derrière, cette jolie femme, c'est maman. Quand j'ai perdu mes parents, pour moi, tout de suite, ça a été juste impossible qu'on me dise qu'ils soient au ciel, parce que déjà, j'imaginais le ciel percer un jour et ça me foutait des jetons. Et en même temps, je me disais, sous terre, ça ne me convient pas non plus, parce que pour moi, il n'y avait pas de raison d'être. Et j'ai commencé, sans le savoir, à peu près à cet âge-là, à ouvrir une spiritualité. Je vais bien mettre au point quelque chose. Ce que moi, je suis aujourd'hui, on peut tous l'être. Je ne suis pas élue de rien du tout. J'ai 19 années à avoir creusé, cherché, comprendre. On n'est pas tous dédiés à être des Madame Irma en puissance. La spiritualité, c'est juste un équilibre de vie. C'est juste quelque chose qui nous aide à avancer, qui nous aide à comprendre un peu ce qu'on traverse. À ce moment-là, donc, je me retrouve orpheline puisque j'avais perdu mon père quelques années avant. Voici mes deux piliers de vie. Quand j'ai commencé à grandir, je recevais des choses, je recevais des messages de mes parents, mais sans comprendre que c'était vraiment des messages de mes parents. Jusqu'au jour où, en 2000, je perds quelqu'un d'important pour moi. Et là, d'un seul coup, je tombe dans la médiumnité. Mais c'est vraiment, je tombe dans la médiumnité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout s'ouvre. Je fais de l'écriture automatique. Je commence à voir les défunts. Je commence à parler avec eux, je commence à faire de la voyance. Et puis d'un seul coup, donc je commence à me mettre à mon compte, hein, sûr de moi-même, à faire de la voyance. Et ma mère, qui était toujours là en tant que guide, parce que moi, pour moi, bah, la seule guide que je pouvais avoir, c'était ma mère. C'était la seule qui pouvait être là et me seconder. Ma mère me dit, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est plus moi. Et je te présente quelqu'un qui arrive à toi, et c'est ta guide. 33 ans à l'époque, t'es chez ma gamine et je dis, moi j'ai personne d'autre. C'est toi, parce que personne d'autre, moi j'ai confiance en personne d'autre. Oh mais elle était belle celle qui arrivait, hein. Mais pour moi, ça ne me parle pas. Donc ma mère revient, elle reprend la place, parce que j'ai fait mon caprice, donc elle revient, elle reprend sa place. Et quelques années après, elle me dit, maintenant t'es prête, c'est plus moi. Et je te présente ta guide. Et je reçois, à ce moment-là, celle qui deviendra le plus importante pour moi derrière. C'est Soulema et c'est ma guide. Qu'est-ce qu'un guide? Quand je l'ai rencontrée, je n'ai pas compris. Bon, elle était là, je m'en servais. C'est pas un manquement de politesse, mais je m'en servais, puisque j'étais toute seule face à ça et je ne comprenais pas bien. Soulema est arrivée et elle m'a expliqué à un moment donné que nous avions vécu une vie ensemble, il y a fort longtemps, qu'on avait fusionné, que de cette fusion, on s'était fait une promesse. Moi, je me tape des vies sur terre, elle, elle me seconde, elle me guide, elle m'aide au mieux qu'elle peut. Et puis, je commence à avancer là-dessus et je commence à m'intéresser. Qu'est-ce que finalement vraiment les guides ? Si moi j'en ai une, qu'est-ce que vous en avez? Comment on peut les trouver? Comment on peut les connaître? Comment je peux vous les transmettre? Et on continue. Et je commence à travailler. Je comprends, lors de mon parcours, que nous avons tous, autour de nous, une énergie. Énergie que vous ne voyez pas autour de moi,
D'accord. Cette image prise sur le net, c'est pas la mienne, mais cette image nous montre le halo que ça fait. Cette énergie-là, c'est aussi votre esprit. En aucun cas, et ça vous le savez tous, que votre esprit n'est un organe du corps. L'esprit, c'est cette énergie que vous avez. Cette énergie-là, elle est pour moi, en tout cas, votre livre de vie. Si vous venez vers moi, même une voyance, j'ai jamais de carte, je me sers de votre énergie, à vos souhaits, je me sers de votre énergie, et je vais prendre à l'intérieur de ça tout ce que je dois vous donner. Comment cette énergie arrive? On a tous commencé comme ça. Potelé ou pas potelé, on était en tout cas aussi beau que ça. Ce qui est en rouge, je vous l'ai mis en rouge pour représenter l'énergie du cœur. Ce qui est en bleu, je l'ai fait bleu pour différencier et vous montrer notre énergie spirituelle. En aucun cas pour moi, ces couleurs ne sont vraies. C'est juste un visuel pour vous. Quand vous arrivez au monde, alors l'énergie, avant que vous arriviez au monde, est autour de votre mère, et elle tourne autour, parce que de toute façon, c'est quand tu veux, je suis prêt. Hein? Et dès que vous arrivez, votre cœur se met à battre. Alors, il bat même un peu plus vite. Mais après, je ne peux pas aller trop vite. Quand vous arrivez au monde, cette énergie-là du cœur est tellement forte, puisqu'on l'appelle aussi énergie électromagnétique, elle va attirer à elle une autre énergie tout aussi forte. Et on fusionne. Tant que votre cœur bat, votre énergie est accrochée. Vous êtes en phase de sommeil, c'est-à-dire que le mental va vous foutre la paix un petit peu. Votre énergie va prendre de la souplesse parce que votre cœur va battre plus lentement. Quand on grandit, on garde toujours nos deux énergies essentielles. Tant que celle-là fonctionne, celle-là fusionne. Quand vous allez vivre dans votre vie, vous allez vivre des moments qui sont un peu compliqués, un peu difficiles, cette énergie va se rétracter un peu. Alors non pas parce que vous n'êtes pas capable de, mais juste parce que les événements de la vie vous fatiguent, vous vident. On dit souvent, je suis en manque d'énergie. Ça va pas, je me sens vide. Et tous ces mots-là, ça veut juste dire qu'à un moment donné, le mental travaille trop et on laisse plus de libération à l'énergie. Quand on dort, là, tout se passe. Le cœur, bien évidemment, toujours là. Il ralentit, vous dormez. Le mental se tait, se calme. Et notre énergie spirituelle va prendre de la souplesse. Alors attention, elle ne se détache pas. Elle prend de la souplesse et elle va voyager. C'est ce qu'on peut appeler aussi, plus banalement, une sortie du corps. Vous comprenez bien que vous ne sortez pas de votre corps. Vous allez juste prendre de la souplesse. Dans ce moment-là, le rêve arrive. Le rêve arrive. Et vous allez voir votre grand-mère, votre grand-père, vos parents, quelqu'un que vous avez perdu, et vous allez vivre quelque chose de fabuleux, vous allez revenir en disant, mais, waouh, je l'ai rencontré, j'ai rêvé de lui. Vous n'avez pas rêvé. Votre énergie s'est juste rendue un peu plus souple, a voyagé et a pu être en contact du monde spirituel. Votre mental vous en a pas empêché. Les guides, c'est cette énergie-là. Ce qui veut dire que au départ, quand vous commencez à vouloir travailler vos guides, si vous voulez être en contact, il va falloir arriver à faire cet état-là. On n'a pas de bouton on-off, ça demande du travail, certains se découragent, d'autres vont jusqu'au bout, mais à un moment donné, si vous comprenez que ça, si ça reste calme, là, vous allez vivre les plus belles choses. L'important est de jamais éteindre ça, parce que ça, ça vous garde les pieds sur terre. D'accord? Donc nous voilà dans cette phase d'endormissement. Et effectivement, on va pouvoir voyager et
rencontrer et faire plein de choses. Quand j'ai rencontré ma guide, je ne détenais pas ça. Donc autant vous dire que c'était basique chez moi. Coucou, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Et ça s'arrêtait là. Quand on va commencer à travailler ça, si vous rencontrez un jour votre guide, dites-vous bien que vous allez vivre les plus belles choses. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de connaître le visage de son guide, son nom? Non. Il résonne d'abord ici, et puis après la curiosité humaine fait qu'on a toujours envie de savoir ce qui s'est passé avec lui. Comment on s'approche de la spiritualité? Je pense que vous êtes tous témoins de ça. Un deuil, une vie dramatique, une séparation dont on ne se remet pas, l'envie juste de croire qu'en dehors de ce qu'on vit, il y a autre chose. Quand on commence à s'intéresser sur la spiritualité, on parle d'une étoile. J'ai mon ange gardien, j'ai mon étoile. J'ai ma mère, ma grand-mère qui veille sur moi. Et finalement, vous n'avez pas tort, vous avez tous raison à votre sens. On a bien quelqu'un qui veille sur nous. Et ce quelqu'un, c'est les guides. Je ne voudrais pas trop éterniser sur l'énergie, parce que si je prends trop de temps, j'ai peur après de ne pas vous laisser assez de temps pour vos questions. Hop. Je vais juste être sûre de ne pas faire des conneries. Voilà. Quand on a compris le système de l'énergie, on va commencer à la travailler. Pour la travailler, il y a un exercice dont je vais vous donner aujourd'hui, il est tout simple. Ce qui est très bien pour travailler votre énergie, c'est de fermer vos yeux, vous mettre en état de méditation, et pendant cet état de méditation, en soufflant, vous allez imaginer que vous avez une bulle de lumière. Tant qu'à faire, on va prendre cette bulle de lumière. Et vous allez imaginer qu'elle grandit. Et chaque fois que vous allez respirer, elle grandit. Visuellement, vous allez dire, mais c'est nul, je vais voir moi, ça n'a rien à voir. Votre mental va vous dire ça. Votre énergie va s'ouvrir, va comprendre, va grandir. Et plus vous la faites grandir, et plus vous allez sentir cette autre énergie qui vient à vous, qui se fond en vous, c'est votre guide. Quand on l'a rencontré, les deux mains se tiennent. Plus rien ne peut vous séparer à partir du moment où vous l'avez. Votre guide n'est pas là pour vous dire que vous faites mal. Il n'est pas là pour dire « Attention, ça c'est pas bien, hein, moi j'ai vu quand t'as fait ça. » Il est juste là pour vous dire « Je vais t'aider à faire la plus belle chose. Je vais t'aider à te trouver. À te trouver toi. » Quand on demande quelle est notre mission sur Terre, la seule mission qu'on ait, c'est de se trouver soi. Pas soi et s'accepter le corps. Se trouver soi intérieurement, ce qu'on est, ce qu'on peut développer, ce qu'on va donner. Et dans quel sens on le donne? Est-ce que je le donne pour la reconnaissance de? Est-ce que je le donne parce que j'aime et je donne? D'accord? Votre guide, tout le long de votre chemin, va vous amener ça. Dans les histoires que j'ai eues, quand on a rencontré les guides, j'ai eu des choses formidables. Parce que bien évidemment, je suis témoin à chaque fois de ça. Et dans les histoires des guides, très souvent, vous avez eu une vie marquante, avec une séparation difficile avec cette personne-là, et ce qui fait que quand on reconnecte avec, c'est pareil, il y a un signe qui vous dira que vous ne pouvez pas vous tromper, parce que ici, à nouveau, ça résonne. Même maintenant, si je vous posais à tous la question, je suis sûre qu'à un moment donné, si vous avez fait de la méditation, il y a quelque chose, peut-être que vous n'avez pas compris, mais là, vous sentez qu'il se passe quelque chose au niveau de l'émotionnel, au niveau de « je ne me sens pas seul, je me retrouve dans cette bulle ». Et très souvent, c'est votre guide que vous recevez. Jusque-là, tout le monde comprend? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que le guide, c'est automatiquement quelqu'un qu'on a connu? Dans une autre vie. Pas dans cette vie-là, mais dans une autre vie. Exactement. Alors, jamais dans cette vie-là. Votre guide, généralement, alors, je ne peux pas donner des statistiques d'années, parce que, alors, en plus, spirituellement, le c'est temps, on sait bien ce que c'est. Alors, des fois, on arrive un petit peu à situer par rapport à l'époque qui va nous décrire, mais vous l'avez rencontré dans une autre vie, jamais dans celle-là. Bien sûr que les parents, les grands-parents, la famille qu'on aime est derrière nous, comme elle l'était de son vivant.
Mais pour tout ce qui est très spirituel et pour toute évolution spirituelle, et vraiment, je sais qu'entre vous, il y en a qui sont dans le spirituel déjà, qui touchent, mais quand vraiment on veut évoluer, à un moment donné, notre propre famille, c'est plus suffisant. Il va falloir aller chercher au-delà. Pourquoi ? Pour deux choses. Très facile de faire confiance à sa mère ou à sa grand-mère. Un peu moins facile à faire sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. J'ai fait ma gamine, hein, moi, à 33 ans, disant non, j'en veux pas. Donc voilà, c'est très dur. Et on n'arrive pas à nouer ce lien d'amour tout de suite. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et ce lien d'amour, il est tellement fort qu'on va faire une confiance encore plus démesurée. J'ai eu la période, quand j'ai rencontré Souléma, de me dire « Oui, mais alors papa et maman ?» Mais alors, du coup, ils vont être tristes, ils vont être malheureux, enfin, puis ils vont être jaloux parce que je commence à aimer quelqu'un d'autre et puis eux, je ne les appelle plus. On n'est plus du tout à ce niveau-là, bien évidemment. Ceux qui nous aiment sont là. On les aimera toujours. Moi, j'ai toujours mon père et ma mère à côté de moi, mais j'ai aussi ma mère avec un M majuscule et c'est ma guide. Autre question ? Je vous en prie. Je vais vous demander, j'ai souvent lu que les guides, on a un guide, voire des guides, mais qui n'ont pas que nous. Ils ont plusieurs missions auprès de... Alors, j'ai lu aussi... On n'est pas seul. J'ai lu aussi les passages comme ça. Quand j'ai demandé, moi, au niveau des guides, parce que du coup, je me disais, alors si en plus on doit se séparer, voilà, moi, maman revient, hein, parce que ça ne va pas. En fait, mais encore une fois, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que ma vérité à moi, d'accord ? Vous ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ce que vous n'aimez pas, restez sur vos acquis, c'est important. Quand moi j'ai fait la demande au niveau des guides, c'était l'inverse qu'on avait dit. On avait dit, mais non, on est là parce qu'on te soutient, on est à calme, mais à toi, pas aux autres. Alors après j'ai fait comme vous, j'ai dit oui, mais alors moi partout je vois, on a un groupe, alors déjà on a plusieurs guides, et puis on a un groupe, alors, ou alors quoi, maintenant on n'a plus qu'un guide. Et il m'a été répondu, mais je suis la seule. Alors, il peut arriver sur votre chemin de vie, par exemple, que votre conjoint ou votre fils ait un souci, et que votre propre guide aussi aille aider votre fils, parce que ça fait partie de votre vie. Mais votre guide ne viendra peut-être pas m'aider moi, alors qu'on ne se connaît pas toutes les deux. D'accord ? Mais généralement, vous n'avez qu'un guide, et il n'a... qu'une âme qu'il a vraiment aimée, avec qui il a vraiment fusionné, homme-femme, qu'importe. Dans la vie qu'on a partagée, est-ce que vous étiez un homme, est-ce que vous étiez une femme, ça. Mais on garde cette... Alors du coup, moi, ça m'a un petit peu arrangé, hein. Parce que j'ai bien partagé plein de choses, mais pas ma guide. Mais en même temps, parce que vous l'avez constamment à vos côtés. Et quoi que vous traversiez dans votre vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, très souvent quand on traverse des mauvaises épreuves, des choses difficiles, et on fait un petit peu comme avec le bon Dieu, c'est-à-dire qu'on lui donne tout ce qui ne va pas en disant « Tu vois, ça n'existe pas, tu as vu la vie que j'ai, il ne m'aurait pas laissé faire. » Et on me pose tout le temps la question. Mais attendez, vous dites que j'ai un guide, mais vous avez vu ce que je suis en train de traverser, vous êtes en train de me dire que le guide, il est là, il se croise les bras en disant « Elle s'envoie ?» Non, parce qu'il vous aime, il est là en disant « Tu peux, traverse, tu peux y arriver. » Et il y a toujours quelque chose qui vous pousse à le faire. Généralement, c'est cette énergie-là. Par contre, quand tout va bien dans notre vie, alors qu'il nous arrive un super truc, alors là, on a un guide. Il est comme ça. C'est ça qu'on doit travailler, en fait. Ni plus ni moins, c'est votre mental. C'est-à-dire que plus vous allez comprendre que dans ce que vous traversez, positif comme négatif, c'est un cadeau de la vie. Ce cadeau-là, il vous fait grandir. C'est pas toujours facile à comprendre. Même moi, aujourd'hui, même médium depuis presque 19 ans, à être dedans tout le temps, ben, il y a des moments... Voilà. Et puis j'ai le droit, 5 minutes, de prendre ce temps du mental et de me dire, il y en a marre. Il y en a marre, ça me gonfle, j'en ai marre. Puis après, ben, je reviens sage et puis je reprends mon chemin. Mais c'est important de se dire que dans la spiritualité, c'est pas tout donné, c'est pas tout gratuit, c'est pas tout brillant, c'est pas tout beau. Mais waouh, quand on a compris ça, je vous assure que c'est juste magnifique. Vraiment. Autre question ? Est-ce que vous avez l'expérience d'avoir parfois les deux guides ? Pour la même personne ? Ou quand on est en train de travailler ? Alors, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure.
Vous aurez peut-être à un moment donné le guide de quelqu'un qui donnera un coup de pouce au vôtre pour vous faire évoluer sur quelque chose. Moi, je vois avec ma moitié, par exemple, ça peut arriver que son guide soit là si des fois la mienne fait la majorette en disant « youhou » et puis je la vois plus parce que pris dans autre chose. Le guide de ma moitié va venir en disant « voilà, là, il va falloir travailler là-dessus ». Et ils seront deux. Mais ça reste son guide. Et la mienne reste la mienne. Donc on peut avoir à un moment donné un, deux ou trois guides qui se tournent vers vous le temps de vous aider. Perdre quelqu'un, par exemple, c'est difficile. C'est très difficile. Quel que soit le lien de parenté, quel que soit le lien d'amitié ou d'amour, c'est très compliqué. Quand on va le perdre, peut-être que notre guide à nous, elle aura beau essayer de nous remonter, ça ne passera pas, parce qu'on sera encore très tourné dans le mental avec la perte. Et puis le défunt qui vient de nous quitter, qui essaiera, lui, parce que c'est le message des défunts, vraiment, au moment même où ils s'en vont, de dire, regarde-moi, je suis là. Je suis là, et moi, je suis bien, et je suis heureux. C'est toi qui es malheureuse, mais tu pleures sur toi, pas sur moi. Sur toi. Le guide de ce défunt-là va pouvoir donner aussi un coup de pouce pour nous aider encore mieux à comprendre et à accepter un petit peu cette séparation. Donc, on peut avoir, par moment, en amont, comme vous avez par exemple dans la vie vos oncles et tantes qui peuvent vous donner un coup de main, donc en amont on aura ça, mais réellement vous n'en avez qu'un ou une. Alors on dit que les X sont asexués, hein, ça c'est réel, mais moi je dis un ou une parce qu'on a cette chance qu'ils nous donnent une partie de leur vie avec vous sur Terre, et là fatalement ils étaient soit un homme soit une femme. Mais on se rappelle que l'énergie par elle-même, elle est asexuée. Quand vous serez plus de ce monde, si vous décidez de revenir, ben, par exemple, vous êtes une femme, vous pouvez revenir en homme. Alors, pas en plante et pas en animal. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a été donné. Mais en tout cas, en homme, en femme, qu'importe. L'important, c'est ce que vous allez apprendre dans la leçon. Autre question ? J'ai lu un bouquin où il parle de guides, mais alors qu'on aurait plusieurs guides spirituels, physiques, émotionnels, avec des noms hébreux. Alors sur les lignes, c'est pareil. Encore une fois, il faut prendre ce qui vous parle. C'est-à-dire que la personne qui écrit un livre, elle y met toute sa vérité. Ce que je fais aujourd'hui, je vous donne toute ma vérité. Mais c'est la mienne. L'écrivain, c'est la sienne. Guide sur Terre, on l'a tous. Quelque part, quand je fais une conférence et que je suis en train de vous parler, je vous guide vers une potentielle croyance. Et peut-être une potentielle rencontre. Il n'y a pas rien sans rien. Vous allez traverser, on est tous le guide de quelqu'un, et on croise tous sur notre route, à un moment donné, un messager guide. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous n'allez pas bien dans votre vie, vous avez quelqu'un qui croise votre route. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où il vous sort la phrase, mais la phrase qu'il vient de vous dire, waouh, vous la prenez. C'est le guide de l'instant. C'est-à-dire, votre guide, il doit se dire, bon, ça fait juste 10 ans que j'essaye de lui faire passer le message, elle n'entend pas, c'est le moment ou jamais, on va faire passer Eric. Et en fait, vous rencontrez votre ami Eric, et Eric, il va vous donner cette phrase, alors qu'il n'est pas du tout spirituel à la base, mais c'est pas grave. Tout comme, on n'est pas obligé de croire pour vivre quelque chose après la vie. Il faut laisser les gens prendre leurs décisions, leurs choix. Rien n'est obligé dans la spiritualité. Aucun sacrifice financier ne doit être fait dans la spiritualité. Tout est naturel et c'est vraiment fluide. Les gens veulent croire, ils croient. Ils ne veulent pas croire, ils ne croient pas. La vie peut-être les amènera à un moment donné à supposer ou à soulever un voile. Et si ça ne le fait jamais, je vous rassure tout de suite, même ceux qui n'ont jamais cru, le jour où l'énergie se détache parce que le corps meurt, à la fraction de seconde, l'énergie sait très bien ce qui se passe de l'autre côté. Et se pose même la question, ça m'est arrivé moi sur des contacts défunts, de dire, mais comment j'ai fait pour jamais croire? Mais en même temps, cette personne, elle n'a pas été malheureuse de sa vie. Donc elle avait le droit de ne pas croire. Autre question? Vous dites, je reviens sur le fait de méditer. Alors j'en entends beaucoup parler en ce moment autour de moi. Ouais. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette, entre guillemets. Mais du coup, je me dis, enfin moi j'essaie de me projeter, de me dire, je pense qu'il faut quand même être
s'isoler, enfin, je veux dire, s'isoler, oui, entre guillemets, de tout ce qui peut, parce que je pense que c'est un moment où il faut se recentrer peut-être sur soi. Et est-ce que je l'entends bien dans le fait qu'on laisse venir à soi ce qui peut nous... C'est ça. Ah bon. En fait, la méditation, c'est un état d'être. D'accord ? Quand vous allez vous mettre en... Alors, on dit le mot méditation, parce que c'est le seul qu'on connaît. En fait, on va juste vous demander de faire un lâcher-prise. D'accord. Vous allez lâcher quoi ? Quand vous faites un lâcher-prise, vous allez lâcher, parce que vous n'êtes plus sur l'écran, mais le mental. D'accord ? Alors, c'est votre meilleur ennemi. Parce que, difficile de le faire taire quand vous voulez vous ouvrir, mais c'est toujours celui qui vous rappellera, vous n'êtes pas supérieur aux autres. On est l'égal de tout le monde. Et ça permet de garder les pieds sur terre, n'est-ce pas, et de ne pas s'accrocher à une ampoule en pensant que c'est la lumière céleste. C'est bien de rester des fois ancré. Quand on fait une méditation, alors je ne sais pas si vous avez une vie de famille, des enfants, mais voilà, allez hop, les enfants à l'école, le mari à la pêche ou au boulot, et vous avez même 3 minutes pour vous. Vous vous mettez dans votre fauteuil, et puis vous allez juste fermer les yeux. Et puis, alors très souvent, pour commencer à s'habituer, je dis aux gens, écoutez votre respiration. Quand vous allez l'écouter, on peut même imaginer la mer. Alors tout de suite, si vous imaginez la mer, vous allez voir l'image, elle est magnifique, on n'a juste pas envie qu'on vienne nous appeler à ce moment-là. Là, vous allez habituer votre mental à être à l'écoute de vous-même. Alors bien évidemment, il va dire, hey, t'as pas enlevé la casserole du feu ? Laissez passer. Vous revenez sur votre respiration. Et puis ça va faire une fois, deux fois, trois fois. C'est pas grave. Plus vous allez vous énerver, plus vous allez coincer. Vous n'y arrivez pas ? Ben vous arrêtez pour aujourd'hui, vous ferez ça un autre jour. Il n'y a pas de temps défini dans la méditation. Pour les gens qui n'en font pas, s'ils se mettent 10 minutes, un quart d'heure à essayer, je peux vous assurer qu'il y aura 1 minute de bonne et 14 minutes où ils vont faire. Et obligatoirement, c'est obligé parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Si vous avez l'habitude de le faire, après, travaillez votre énergie. Cette bulle de lumière qu'on peut avoir autour de soi et que plus on respire, plus elle grandit. Plus elle grandit, plus vous souriez. Souriez vraiment, parce que quand vous allez sourire avec votre visage, vous envoyez à votre mental qu'il n'y a pas meilleur moment que celui-là. Et du coup, votre mental, il dit, mais c'est cool, c'est des vacances. Et vous allez pouvoir vivre les choses un peu plus facilement. Faites 1 minute, 2 minutes. Vous savez faire un quart d'heure, faites un quart d'heure, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'endroit sous la douche. Quand on est débordé par les enfants, à un moment donné, le seul endroit où logiquement on est à peu près bien, c'est la douche. Allez sous la douche et prenez juste ce temps que l'eau coule sur vous, d'avoir cette vision de vous, avec cette lumière énorme autour de vous, et vous souriez, c'est le bien-être. Votre mental comprend à ce moment-là que vous êtes en train de lâcher prise. Alors ça ne dure pas sur toute la journée. Vous lâchez prise et puis des fois, 2 minutes après, vous décrochez le téléphone et vous raccrochez en disant, t'es fiché celui-là, voilà. Donc le lâcher prise, il va durer 2 minutes, mais plus vous allez vous habituer et plus il va revenir très vite. C'est vraiment une histoire de vous et vous-même. C'est comme un peu les prières, c'est comme un peu ces choses-là. C'est tout ce que vous allez donner avec votre cœur, avec votre amour. Je vais être presque honteuse de vous dire, je ne connais aucune prière religieuse, non pas parce que je la rejette, c'est parce que ça ne me parle pas. Par contre, je peux vous assurer que des messages, j'en donne énormément. Mais mes mots, mon amour, mes vibrations. Et c'est ça qui est important. Pour vivre une spiritualité, ne vous mettez pas en colère contre quelque chose qui ne vous parle pas dans une religion ou quoi que ce soit. C'est chacun prendre là où il se sent à l'aise. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui vous résonne pour vous. C'est une résonance, en fait. C'est ça. Quand je viens, par exemple, à une conférence, là, j'ai jamais de jugement. En plus, j'ai beaucoup de gens qui ont lu et tout, donc j'ai pas cette culture, cette richesse. Mais je me dis, tiens, ça a résonné en moi. Après, je dis jamais, mais ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Me dis, tiens, c'est ça résonne. Donc, j'ai pris, en fait, ce qui résonne en moi, et je me dis que c'est effectivement ma vérité qui se construit. Et en fait, mais ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément pour les autres, mais en fait, de l'accepter, je trouve que du coup, on vit mieux, quoi. C'est ça. Ouais.
Pourquoi on dit ça résonne? On va peut-être expliquer aussi cette résonance, parce qu'on la ressent tous quelque part. Alors, on met le mot résonner ou autre chose, c'est pas grave. De toute façon, le vocabulaire, il est exactement comme le reste. C'est de l'immatériel. Et on va essayer de traduire un immatériel avec tout ce qu'on peut. Et des fois, on n'est pas juste dans ce qu'on donne. La résonance, encore une fois, elle se passe là. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez entendre quelque chose, alors moi, je vous parle avec ma bouche, avec mon corps, mais mon énergie, elle, vous pensez bien qu'elle n'est pas là, hein, elle est assez grande comme la vôtre, elle est fusionnée avec la vôtre aujourd'hui en cet instant, et en même temps que je parle, elle vous passe un message. Si votre énergie se retrouve sur un même diapason que la mienne, ça va faire comme une caresse. Et vous allez dire, mais c'est ça. Et quelqu'un d'autre à l'inverse, qui n'est pas sur le même diapason que ma propre énergie, va se dire, ah non, mais non, 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 ça je suis pas d'accord, ça me convient pas. Est-ce que vous avez raison? Est-ce que l'autre a raison? Est-ce que j'ai raison? Tous les trois on a raison. Parce que c'est ce qui résonne en nous. Et il faut s'arrêter qu'à ça, dans cette résonance-là. Quand on est dans une pièce avec pas mal de personnes, vous êtes à une soirée dansante, il y a, je crois, 200 personnes. Quelqu'un rentre par une porte, vous ne connaissez pas cette personne, vous dites, oh, j'aime pas ce qu'elle dégage. Ce qu'elle dégage. À l'inverse, vous ne connaissez pas la personne. Elle rentre et c'est qui j'aime bien, mais vous ne la connaissez pas non plus. Ce que vous allez aimer, c'est par son physique. Bon, sauf dans la drague, mais en dehors de ça, c'est ce que la personne dégage. Et ce qu'elle dégage, encore une fois, c'est l'énergie. Exactement. Exactement. Si vous ne m'aimez pas, sans me connaître, mon énergie, en fait, elle va aller vers la vôtre et elle va faire. Et vous allez. Ah, j'aime pas. À l'inverse, si vous me trouvez maternelle, vachement enjouée, vachement. Ben c'est comme si mon énergie arrivait vers la vôtre, puis vous prenez en disant ça va, t'as compris. Voilà. Et du coup, on se sent bien. L'énergie, c'est vraiment ce qui est relié au bébé, en fait. C'est cette même pureté. La seule chose qui mettra toujours des barrières, les embûches, les nuits blanches, ça reste lié au mental. Que ce soit clair, hein, quand on devient spirituel, j'en parlais aussi tout à l'heure, on ne vit pas toutes les choses en béni-oui-oui en disant « c'est pas grave, ils sont là ». Non, vous avez le droit de tomber, de pleurer. J'ai vécu des moments importants dans ma vie. On tombe, on pleure, parce que le mental a besoin de ça, parce que le corps a besoin de lâcher. Puis après, vous vous relevez et vous dites, il y a une raison, je ne sais pas ce que c'est, mais on va avancer. Et on avance quand même avec ça. Mais on ne devient pas... c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on a un garde-fou de tout. C'est pas constant, c'est pas tout le temps. Puis il faut respecter l'être humain qu'on est. Et puis respecter ses peurs, ses failles et ses pleurs. Et c'est fou rire, et c'est j'aime la vie, et tout ça. Il faut vraiment respecter tout ce qu'on est. Le mental et l'esprit. On ne doit pas être mental-esprit. On ne doit pas être esprit-mental. On doit être esprit-mental. Sur une même lignée. Autre question? Qu'est-ce que ça signifie au cours d'une méditation? Il y a des visions qui apparaissent. Alors, et en l'occurrence, des regards. Alors, très souvent, quand on a des regards comme ça, et ça, tous ceux qui commencent à toucher la spiritualité, généralement, ils vont parler de regards, ou des visages. Oui, aussi. Très souvent, en fait, vous êtes en train d'ouvrir une porte spirituelle quand vous faites ça. Alors, vous ne l'ouvrez pas consciemment en disant, ça y est, je suis spirituel, mais en vous mettant en état de méditation, on revient sur le truc, on va libérer un peu de l'espace pour l'énergie. À ce moment-là, l'énergie, vous êtes au contact. D'accord. Avec la couleur aussi, avec des couleurs, des plages de couleurs. Alors ça, c'est votre mental qui vous reproduit. C'est-à-dire, votre énergie va prendre les informations du style, oh, un visage, il y a quelqu'un, oh, un visage. Votre énergie, il va falloir qu'elle fasse comprendre à votre mental que, cool, c'est pas la peine d'avoir peur. Donc elle va vous, c'est le décodeur, elle va vous le transmettre pour que vous puissiez comprendre. Vous aimez pas du tout le rouge, par exemple, vous allez voir une couleur rouge, ça va vous agacer, c'est peut-être qu'on est en train de vous dire, arrête. Parce que là, c'est tout et n'importe quoi ce que tu es en train de faire. Calme, on arrête. À l'inverse, du bleu, vous êtes super bien. On vous dit juste, continue,
Regarde comme t'es bien, continue. Et vous continuez cet instant-là. Je n'osais pas en parler, mais comme la dame a commencé, j'ai aussi parfois ce phénomène. Visage et regard. Mais par contre, à chaque fois, ça fait quelques années que je pratique. Moi, je ne dis jamais la méditation, je dis toujours que je rentre à la maison. J'adore cette formule. Mais parce que vous vous y sentez bien. Oui. C'est le moment où vous allez vous y sentir bien. Mais alors, peu à peu, c'est développé et c'est de plus en plus fort. Simplement, c'est un jeu de lumière. Mm-hmm. Vous êtes toujours sur la droite et c'est blanc. C'est blanc, c'est aveuglant, mais ça ne m'aveugle pas. Je sais pas. Oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que vous la voyez forte, ah oui, mais pour autant, vous n'avez pas vos lunettes de soleil. Elle évolue, puis ça fait des points lumineux. Alors, quand on commence à voir ces points lumineux-là, c'est que vous avez passé une étape supérieure. Ces points lumineux-là, en fait, c'est cette énergie qu'on est. D'accord ? C'est cet amour. C'est cette énergie d'amour, en fait. On entend souvent dans les livres, quand les gens font des NDE, tout le monde sait ce que c'est une NDE, je suppose. On entend souvent, alors j'ai traversé le tunnel, machin, et au fond, wow, il y avait une lumière. Cette lumière-là, c'est juste la masse d'amour et d'énergie qui nous attendent de l'autre côté. Bon, alors très souvent, ils vous disent, non, c'était pas ton tour, en fait, on est juste venu te dire que tu dois repartir. Mais cette lumière-là, c'est cet amour-là. Et plus vous êtes dans le bien-être, plus vous êtes dans la communication avec le spirituel, et encore une fois, qu'importe si vous ne connaissez pas le nom de votre guide, vraiment, mais à ce moment-là, il est juste en train de vous montrer qu'il est là. Mais je la ressens comme ça, je la ressens pleine d'amour protectrice, je la ressens comme ça, comme si voilà, je démarre et hop, elle est là. Mais parce qu'au moment où vous démarrez, donc, on va dire votre guide pour simplifier, je vais dire il, mais c'est il, elle, c'est pas grave. Il paraît que ce sont deux âmes jumelles, ou des flammes jumelles, je sais pas comment. Alors, on m'a posé la question l'autre fois sur la flammes jumelles aussi. En fait, si vous voulez, et encore une fois, ça reste à moi, et ainsi de suite, je vais pas le répéter sans arrêt, je pense que vous l'avez bien compris maintenant, mais dans la spiritualité, moi j'ai enlevé toutes les cases, j'ai enlevé tous les carcans. Alors, pas pour faire ma rebelle, dire que je suis une guerrière, mais c'est juste parce qu'au départ, quand j'ai commencé, je lisais un mot, je prenais 3 dico. Parce que je ne comprenais rien à ce qu'on me racontait. Et je n'avançais pas. Et à un moment donné, je fermais mes dico en disant, mais en fait, nous, on n'a pas le droit. C'est les autres, parce que moi, je suis trop nulle, donc ce n'est pas la peine. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça, c'est expliquer aux autres. C'est donner un symbole aux autres. C'est quoi une flamme jumelle ? Jumelle. C'est quoi 2 jumelles quand vous avez des enfants ? C'est 2 personnes qui se ressemblent en tout point, physique ou mental, qui ont le droit d'être aussi complètement différentes dans cette ressemblance-là, et pourtant, elles sont indissociables. C'est ça, être jumelle. Flamme jumelle. Flamme, énergie. Énergie jumelle, ben vous le guide. Celui qui vous ressemble en tout point, et qui vous fait évoluer, et au moment où vous pensez qu'il n'est pas là, le seul qui est en train de vous porter encore à ce moment-là, c'est lui, parce qu'il est avec vous complètement. J'ai vraiment enlevé toutes ces cases, je me suis rendu compte qu'en faisant sauter toutes les barrières, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. J'ai commencé donc à 33 ans, je vous disais tout à l'heure. De 33 ans à 42 ans, je suis passée par toutes les étapes humaines, c'est-à-dire au départ, je suis médium. Et ouais, je me la pète. Parce qu'on est obligé de le faire. Parce que la société nous pousse à ça. C'est-à-dire, vous rendez compte, vous parlez avec les morts. Ou alors, vous dites, je suis médium. Parce que vous vous rendez compte, vous parlez avec les morts. Donc, vous ne le dites plus. Tout dépend de ce que vous avez en face de vous. Donc, j'ai commencé à mettre des cases, comme tout le monde. Ah oui, mais attends, je parle avec les morts, mais je ne peux pas faire de la voyance. Et pourquoi tu ne peux pas faire de la voyance ? Ah ben oui, pourquoi je ne peux pas faire de la voyance ? Et puis vous essayez, puis vous dites, médium, on fait de la voyance. Et pourtant, sur Internet, vous tapez, on vous dit que médium ne fait pas de la voyance. On vous dit que la voyante n'est pas médium. Quand elle vous regarde et qu'elle vous donne un truc de votre vie et qu'elle n'a pas de carte, elle est quoi ? Et j'ai enlevé toutes les cases. À partir de ce moment-là, donc 41-42 ans, bon, il a fallu que je me fasse confiance, j'ai pris mon jeu de cartes que j'avais pour faire les voyances. Je l'ai rangé dans un tiroir et je n'ai jamais ressorti. Et j'ai fait de la voyance. J'ai enlevé toutes mes cases, j'ai enlevé toutes les barrières. Aujourd'hui, je ne m'interdis rien.
Vous m'appelez, vous me demandez si je suis capable, je me dis j'en sais rien, ce que j'ai jamais fait. Ben venez, on va voir, ensemble. Et là, j'y arrive pas. Et ben on dit j'y arrive pas, puis on fait pas de rendez-vous. L'important, c'est d'arrêter de se mettre dans des choses qui nous conditionnent. Parce que plus vous allez vous conditionner, plus vous allez rester comme ça. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est ça. Donc c'est important de déconditionner, d'enlever des termes. Et encore une fois, c'est pour ça que j'insiste, de laisser résonner en vous ce qui vous parle. Vraiment. Après, vous en avez d'autres qui ont besoin de leurs cartes. Mais qu'ils les prennent. C'est leur support. C'est important, c'est un fil. C'est mettre quelque chose au corps où on tombe. Mais pour autant, au-delà de ça, ils sont bien plus que juste le jeu de cartes. Autre question ? Pas trop faire un rabat-joie. Parce si, que si, vous avez le droit. On parle de choses formidables, merveilleuses, ramener à ses visions, mais ça peut quand même être franchement hostile, des fois. Le monde du spirituel Vision, ce genre de choses. Alors, encore une fois, c'est votre mental qui va interférer. Donc, 19 ans, je suis là-dedans. Mmh. 19 ans, je suis incapable de vous donner un nombre de contacts défunts que j'ai fait ou un nombre de guides spirituels, parce que je ne les compte pas. Hein. Au départ, je gardais les guides, je gardais une photo, j'imprimais, je les mettais sur mon mur. À un moment donné, je faisais peur à tout le monde, je les ai tout enlevés, j'ai arrêté de les garder. Mais je n'ai jamais de ma vie, très sincèrement, rencontré quelque chose de négatif. Il y a des moments où le défunt peut avoir peur. S'il vient de partir, il peut avoir cette peur-là et vous transmettre cette peur-là. Je suis plutôt dans ce que dégage certaines visions. Je reviens un petit peu plus tôt. Ouais, alors, vision quand vous faites une méditation, par exemple Pas forcément. On peut pousser un peu comme ça. On peut pousser la vision. Vous pouvez me décrire. C'est comme ça qu'à la limite, je pourrais... Ouais. Après, vous pourrez venir me demander si vous voulez. Ouais, peut-être, ouais. Merci, désolée. Parce qu'en fait, si vous voulez plutôt que de vous répondre dans le vide. Ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, de prendre le truc de vous répondre à côté, je trouve ça dommage. En même temps que je posais la question, je me suis dit non, mais en fait, c'est pas. Alors, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, à la fin de la conférence, tant que je range tout mon bazar, vous avez encore le temps de venir. Et de me dire, bon, c'est vite fait, c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et bien évidemment, je vous répondrai. Ok, d'accord. Moi, je vais rebondir, en fait. Ah, allez-y, rebondir. Je vais rebondir, justement. Pas trop. Non, pas trop. Je ne peux pas. Allez-y. Effectivement, les visions, alors, je ne sais pas si on est sur le même type de longueur d'onde, mais comme des boules d'énergie noire qui tournoient. Mm-hmm. On peut, non. Comme des silhouettes noires qui avancent complètement désespérées. Alors, très souvent dans ces visions-là, encore une fois, ça va être traduction mentale. D'accord. Peut-être, alors on a deux solutions, parce que je ne la vis pas au moment où vous la vivez. Ouais. On a deux solutions. Soit effectivement, on est en train de vous dire, tu vas être appelé à un moment donné à aider ceux qui dépriment. Qui sont pas bien, qui n'ont pas d'énergie. Alors on vous montre. Ou on va vous dire, attention cocotte, regarde comment tu es. Je suis pas bien, je prends pas soin de moi. Je mets trop dans l'énergie. Et... C'est très souvent un des deux. Mais ne vivant pas l'instant avec vous et n'ayant pas sur la seconde même votre version, à vous de savoir à ce moment-là si vous côtoyez des gens qui sont un petit peu déprimés, qui viennent vers vous. De toute façon, on nous les envoie. Moi, avant même de me révéler médium, quand ça frappait à ma porte, c'était rarement pour me dire comment tu vas. C'est ça. Après, il y a le visuel, mais il y a aussi le ressenti. Comme moi, j'ai eu l'occasion d'avoir une énergie assez agressive qui a voulu m'étouffer. Alors, on va enlever le mot agressive, on va mettre le mot peur. Oui. Je vais raconter une petite histoire du coup qui m'appartient, mais c'est qu'en vous racontant ma vie, du coup, que je peux vous expliquer. Vous saurez tout de moi. Voilà. À l'époque, début de ma médiumité, je suis dans mon bureau, mes enfants sont donc un au lycée, l'autre au collège, et je suis sur mon PC. Ma porte de bureau est ouverte, je regarde, je dis, ah tiens, mon fils.
Et d'un seul coup, je dis, mon fils, non, ça ne peut pas être, il n'est pas là. Je me lève, je vais dans le couloir. Et alors ça, quand ils ont peur, parce qu'on se rappelle que les défunts, ils ne sont pas des guides spirituels, d'accord? Il y en a qui restent encore en état de peur quelque temps parce qu'ils essayent de parler à leur famille, on ne leur répond pas. Alors du coup, ils prennent l'habitude qu'on ne les voit pas, on ne leur répond pas. Et puis, il y a une blonde là qui se trouve dans le bureau et qui d'un seul coup me dit, oh tiens, il y a quelqu'un, mince, elle me voit. Donc je sors dans le couloir et je sens que ça se met derrière moi. Et alors là, moi, je suis la seule médium au monde qui a toujours peur. Je vous le dis tout de suite, comme ça au moins, vous le savez. Ça se met derrière moi. Donc je me retourne. Je me retourne, ça se met derrière moi. Et là, vous avez juste l'impression d'avoir déjà 3 tonnes sur les épaules. Mais c'est pas lui, c'est ma peur, 3 tonnes sur les épaules. Ah bah oui, je sais qu'il y a quelque chose derrière moi. J'ai fait comme vous, j'ai fait l'imbécilité d'aller lire sur internet machin, il s'accroche à toi. Donc voilà, et puis au bout d'un moment, je me dis, puisque j'ai peur, le truc de la gamine, je vais dans ma chambre, je me mets dans le lit et je monte la couette. Donc j'ai pas monté la couette, en vrai j'ai pas défait le lit parce que c'était juste la sieste, mais je me couche. Et en fait, je tombe dans une espèce de pré-sommeil et je me réveille parce que j'étouffe. Mais j'étouffe et j'ai l'impression à ce moment-là qu'on m'étouffe avec mon drap. Drap que je n'ai pas, puisque je n'ai pas défait le lit. C'est juste qu'à ce moment-là, lui, comme moi, je lui ai fait peur, il essaye de me faire peur. Mais il n'essaye pas de me faire peur en m'étouffant. C'est son énergie dans mon énergie. Maintenant, si quand vous parlez, je m'approche de vous, je me mets à ça de votre visage et je vous dis quoi ? Vous allez faire ça, parce que je vous prends votre espace de vie. Lui, quand il rentre dans l'énergie, il me fait le même système, mais mon mental, il me dit, en fait, tu es en train de te faire étouffer, ma fille, par ton drap. Drap qui est toujours bien bordé. Et vous ouvrez les yeux et... Ben non, ah ben non, il n'y a rien. Et vous soufflez, et en fait, ce jeune homme, après, j'ai pu arriver quand même à le rassurer. Là aussi, on vit des très belles histoires, mais ça fera peut-être une autre conférence, mais c'est juste un instinct de peur. Et très souvent, moi je me rappellerai toujours, mon beau-frère qui est décédé quand je suis tombée dans la médiumité, un jour il apparaît à ma sœur, elle était dans son lit, elle voit son mari assis au pied du lit, donc elle hurle, et elle lui dit « mais tu m'as fait peur !» Et lui il lui dit « mais tu m'as fait peur de crier comme ça !» Donc il y a aussi cet instinct-là. Alors ils mettent de l'humour souvent, mais quand on vit des choses comme ça, c'est très souvent qu'on a fait peur à l'autre aussi, et notre peur... On sent la leur, on sent la nôtre, et on a l'impression qu'on se fait agresser, attaquer, et on n'en est pas là. Et heureusement. Donc il apparaissait sous la forme de votre fils. Non, du tout, c'était un jeune blond, en fait. Un jeune, un blond.